Salut tout le monde, c'est Christian et bienvenue sur une ouverture de cartel Lego Jurassic World. Ça va être tout simplement fou. Alors aujourd'hui on va ouvrir un méga opening de la série 2 plutôt. Un méga opening, je vais ouvrir beaucoup de produits, ça veut dire. Donc let's go. Regardez les gars, il y a encore plus de produits que j'ai eu encore une fois qu'hier. Parce que bon, bah, j'ai reçu une autre livraison aujourd'hui. Et regardez comment ça grandit. J'ai encore les deux derniers blisters qui sont arrivés. Et pour finir, bon bah j'ai 3 multipacks qui sont là. Il y a ce truc comme quelques multipacks et c'est tout, je crois, pour toutes mes livraisons que j'ai acheté de Lego Jurassic World TCG Series 2. Mais aujourd'hui, on va un peu ouvrir de tout, même le starter pack, pour que ça rende les vidéos un peu satisfying, je peux dire. Même si j'ai déjà ouvert tous ces produits, tout ça. Mais je vais ouvrir tous ces produits là encore une fois. On va faire un méga opening cette fois parce que c'est que je préfère mieux. Donc on va prendre un peu quelques-unes de tout et on va voir ce qui se passe. Ok les gars, regardez tous ces produits que je vais peut-être ouvrir. Peut-être, pas tout, mais presque j'irai. Parce que, bon bah, je vais faire un méga opening, le fameux ultra opening que j'ai vu dans l'une des vidéos que j'adorais tellement qu'on dirait un nouveau record que j'ai vu. Un youtubeur de Polish qui a fait une vidéo d'un méga opening de tout ça, Series 1 et 2. Et j'ai décidé aussi de faire un méga opening dans mon YouTube channel, voilà. C'est ça que je veux dire, mais... J'ai pris 2 multipacks, le starter pack, 3 blisters et le booster box, peut-être un chunk de ça. Et puis ouais, pas de temps niaiser parce qu'on a tout ça à ouvrir. Et cette fois, je vais peut-être mettre ces vidéos de 15 minutes long. Ça sera peut-être un plusieurs parties aussi parce que ce sera long. Donc ouais, let's go, on va commencer avec le starter pack. Enfin, comme ouvrir le starter pack pour la deuxième fois. Comme vous voyez, en bas, on dirait. Voilà, voici comment ça ressemble mon bas. Si c'est vide, encore une fois, nous avons une carte d'édition limitée de T-Rex, une carte XXL du Gigantosaure, deux packs, ainsi tout le reste du truc du livre, ainsi qu'un autre livre qui montre toutes les cartes. J'ai pas besoin parce que j'ai déjà un livre, j'ai déjà ouvert un de ça auparavant, donc ça va juste ça. Et puis maintenant on va passer au multipack. Donc les multipacks à 5 packs intérieurs et une carte d'édition limitée. Ouais, je crois que vous connaissez déjà parce que j'ai déjà ouvert ça depuis pas mal beaucoup. Donc on a une carte d'édition limitée de T-Rex versus Indominus Rex. Donc voilà. Ah oui, surtout je vais classifier toutes les cartes après que j'ai terminé ma première partie de vidéo. Comme hors vidéo je peux dire parce que c'est beaucoup mieux. Et puisque c'est des multipacks, bon bah c'est des packs qui vont être endommagés. Bien sûr. Oh, ça pas beaucoup, mais bon. Et on passe au deuxième petit pack. La seule différence pour celle-là que j'ai aussi eu, enfin que je vais ouvrir, c'est qu'il y en a 4 au total. Je veux dire 4 cartes édition limitées au total pour les petits packs. Juste ça. C'est la carte édition limitée du taureau versus gigantosaure. Je vais vous montrer ça encore une fois, juste que vous avez mal vu. Voilà. Et puis nous avons ça dans ce pack. Juste là. Par contre les gars, quand j'aurai complété mon Master Set à Series 2, avant que j'ai ouvert tous les packs que je vais faire dans cette vidéo, un truc comme ça, je vais arrêter d'ouvrir les packs parce que ça vaut pas la peine parce que j'ai toutes les cartes. Mais si j'ai pas encore toutes les cartes, on va ouvrir tout. Oh, je suis content d'ouvrir ces blisters encore une fois, sans ça le soigne. Donc ouais. Nous avons sympa que juste ça. Une carte d'insommité de Triceratops et Gallimimus Team version, pas versus pour cela. Nous avons un autre juste ça, un autre c'est Blister. On a comme 4 au total comme les multipacks. Sauf que, bon bah, en plaçant dire versus pour les cartes d'insommité, c'est plutôt des team up. Comme des tag team ou un truc comme ça. Un peu comme les tag team car Pokémon à peu près. Mais c'est pas vraiment ça. Pour finir, troisième blister. Car, wow, certains de ces temps qu'on est tombé. Sympa que juste ça. Et une carte d'édition limitée de Team Echo et Delta. Bon, je crois que ça peut être toutes les cartes d'édition limitées que dans ce opening j'ai. Une tonne déjà, ainsi qu'une carte XXL. Et on va prendre un chunk. Même un gros chunk, non, pas vraiment un gros chunk. Écoutez, un chunk comme ça, j'irai. Comme ça. Bon,
Je crois que ça c'est pack pour le méga opening. Et puis ouais, let's go. Oh mon dieu, regardez tous ces packs qu'on a comme montagne. Oh mon dieu, ça va enfin se réaliser. Que j'ai envie de faire. Et voilà, méga opening, une montagne de packs gigantesques. Enfin. Donc ouais, let's go. On va commencer avec le premier pack de la journée. Le premier booster. On va commencer avec Dr. Ian Malcolm. Un Lego stock que je vais pas vraiment acheter vraiment parce que j'aime pas. Déophosaur et pour finir, notre première bonne carte. Sticky Moloch Dino Duel. Deuxième pack de la journée. On va commencer à ouvrir tous les packs. La vidéo va être comme à partir de. Bon bah. De. J'irai 15 minutes, on passe en 10 minutes. Et je crois que c'était mieux. Oh, ça a été une boule claire cette fois. Holographique. Et pas normal. En fait, j'ai là, c'est la vidéo que. Et à partir de maintenant, peut-être les vidéos que je vais peut-être faire sur ces openings. Ce sera peut-être à partir jusqu'à 15 minutes dans les vidéos et en remplaçant 10 minutes parce que bon bah. C'est peut-être mieux. Ce sera la vidéo un peu plus longue. Et on a le Gigantosaur Dino Duel. Je vais un peu mettre les bonnes cartes là aussi parce que j'ai complètement oublié. Et pas toi l'aléatoire. Ah oui, surtout, je vais placifier toutes les cartes. Bon bah. Après, après ma première partie de vidéo que j'aurai terminée. Donc ouais. Ce sera mieux. Pièce du puzzle 1. Pièce du puzzle 2. Blue. Et pour finir, Delta. Bon, j'ai un pack de la journée. On va ouvrir un autre taureau qui est là. Deux pièces du puzzle encore une fois. Oh, c'est pas deux pièces du puzzle. C'est de là encore une fois. Et pour finir, taureau dino duel. On a eu beaucoup de dino duel cette fois. Il n'y a plus qu'un seul et il s'agit de Echo, le dernier. Donc, ouais, c'est le seul qui reste. Et je crois qu'on a une carte ultra juste ici. Peut-être pas qu'une carte ultra. Ni 2000 Rex. Mais par contre, qui sait? Ouh, ultra gigantosaur. Non, pas que ça. Qu'est-ce que c'est mieux qu'un ultra? Les gars, quand on obtient une carte ultra, avant la dernière carte, est-ce qu'on a une carte jurassique? C'est ça. On a une juste ici. Ouh, ouh. Rewind. Regardez ces gigantosaures. Oui, l'unique carte jurassique que j'ai besoin. Oh yeah, let's go. Cette fois-ci, je vais passer une carte jurassique. Et c'est l'une d'eux que j'ai besoin pour compléter mon master set. Ça commence bien la journée. Enfin, ça commence à être quand même bien déjà. Parce que j'ai une carte jurassique que j'ai pas encore. Surtout les gars, il y a 4 cartes jurassiques au total. Et le dernier qui reste, c'est le. Le Dilophosaur, je crois, le Dilophosaur et. Biroptor. Et pour finir, Ultra Triceratop. J'ai presque plastifié, mais je vais plastifier avec les sleeves que j'ai, les pochettes, sur les cartes, après ma vidéo. Puis on a. Elle là, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est celle-là que j'ai ouverte depuis comme 3 ans. Gallimimus. Et pour finir, le Triceratop. Prochain pack de la journée. On a 2 pièces de puzzle. Est-ce que c'est 2? Non, pas 2. Blue qui n'aime pas la pizza. Taureau. Et pour finir, Blue Claire encore une fois. Ouais, on va passer à celle-là maintenant. Et nous avons Maisie Rockwood. C'est Kazak, je sais pas ce que ça veut dire parce que c'est en Allemagne. Ce pièce puzzle, Triceratop. Et oui, wine! Regardez si Triceratop. Deux Triceratop. Peut dire Triceratop, Dino Duel. Bon, on passe à ce prochain pack. On a ces quatre là. Pièce du puzzle encore une fois. Delta DNA. Ferizinosaurus. Et pour finir, Delta encore une fois. Rewind. Regardez, c'est Delta. Il y aurait beaucoup de rewind que je vais faire dans cette vidéo, on dirait. Parce qu'il y a une tonne. Il y aurait beaucoup. Une fois que j'ai eu comme trop de Triceratops dans un pack, imaginez si je vais avoir ça encore une fois. Baryonyx. Et pour finir, un autre Triceratops Dino Duel. Je pointe que des Triceratops, on dirait. On a Kenji, lui qui est comme chiant. Blue Claire qui est dans la pièce du puzzle. Le Rexy qui rugit là. Baryonyx, c'est pour finir Taureau Dino Duel. Ouais, prochain pack de la journée. Nous avons. Oh, bon, j'ai tous ces cartes là. Donc, on dirait nouveau, mais non. J'ai tous ces cartes là. Crush Pride, encore une fois. Ces cartes là, Dilophosaur. Et pour finir, Charlie. Bon. Ça passe vite déjà. On a ces cartes là, encore une fois. Pièce du puzzle. Gigantosaur DNA, je crois que j'ai pas celle-là, je sais pas.
Blue. Et pour finir, une carte d'ultra guise agile. L'ultra T-Rex. Deuxième fois que je poigne l'ultra T-Rex. Ou... Je sais pas comment je peux appeler ça. J'appelle poignet plutôt parce que... Je crois que ça s'appelle ça, je crois que pour lui dire. Donc je dis ça. Peut-être. Je sais pas. Bon, on a ce Lego celle-là. Indoraptor. Et pour finir, le Quetzalcoatl plus. Bon, ça, ça arrive pas à avoir beaucoup. Bon, on va voir comme ça cette fois pour celle-là. Parce qu'il n'y a pas de carte ultra. Mais peut-être un dino duel juste ici. J'ai peut-être vu. Calimimus. DNA. Des deux Triceratops et Triceratops. Non, Charlie. Charlie dino duel. Peut-être que ce sera un Rewind. Mais non, ce ne sera pas lui. On va voir ce pack qui est un peu endommagé cette fois. Parce qu'il y a quand même pas mal de packs qui sont endommagés. Qui viennent des multi-packs. Plutôt comme texture endommagée. Whatever, vous avez peut-être vu. Allosaur, et pour finir, Ankylosaur. Beaucoup de Zor, pas vrai? Il y a beaucoup de Zor. Un peu. Pièce du puzzle 1, ben. Le petit dino là, dans sa neuf. Oh, les deux. Pas Triceratops. Les deux oiseaux là qui volent, et pour finir, le Gigantosaur. Parce que puisqu'il y a un Gigantosaur, on va voir ce Gigantosaur qui est aussi un peu endommagé. Eh, c'est la première carte que j'ai eue de la série 2. C'est le Raptor qui était tombé. Et j'avais dit que c'était pas un compi qui tombait, mais non, c'était un Raptor. Allez, on va voir que c'est la carte graphique. Baryonyx. Ainsi, le Gigantosaur encore une fois. Et Galimimus, c'est ça. Bon, bon, je suis un peu de la journée. Ça passe vite déjà. Et nous avons Ranger, que je l'appelais. Puis on a cette pièce du puzzle. Le Therizinosaurus. DNA, Ankylosaur, et pour finir, la carte d'Ultra, Ultra Idominus Rex. Bon, moi, je pas de la journée. Et, ouh, j'arrive pas à enlever celle-là un peu. Pièce du puzzle 1. On a le Lego Star, il y a le robot T-Rex, le Mecha T-Rex, Tauro DNA, les deux Triceratops. Un autre Triceratops? Non, Dilophosaur. J'essaie d'ouvrir tous les packs possibles et ça passe vite déjà. Donc on a ce pièce de puzzle, on a ces cartes-là, Ternodon DNA, Indoraptor et pour finir, Ultra Charlie. Beaucoup d'Ultra Charlie que je pointe, toujours presque. Malheureusement, il n'y a pas de Charlie dans le pack All, mais c'est Blue. Au moins, il y a un Raptor là. Donc on a une pièce puzzle 1, 2, Triceratops et le Therizinosaurus holographique. Et pas DNA, bien sûr. Pièce puzzle 1, Toctowu. Lui là, c'est les bébés raptors qui sont dans un panier. Sigimoloch et puis Ultra Delta. Non, Dino Duel Delta, pas Ultra Delta. Qu'est-ce que je dis là, dis donc? Oh, je sens qu'il y a deux pièces du puzzle juste là. Donc, on a. Ah, oh, c'était pas deux pièces du puzzle. Waouh, j'étais complètement faux. Ainsi que Triceratops. Bon, il y a une tonne de cartes qui traînent là, enfin, cartes normales, alors j'ai juste enlevé un petit peu là. Et en plus, il y a une tonne de pâte papier par terre. Mais bon. Et surtout, les packs qui sont comme enlevés, bon bah, enfin, comme ça, et qui sont par terre. Je vais les mettre à la poubelle après la vidéo, parce que. Juste que vous savez, parce que. C'est pas une poubelle d'ado, dis donc, pour moi, même si je suis un ado déjà. Et Ultra Demon's Rex, encore une fois. Bon, on commence à voir. On va se dépêcher un peu. Mais cette fois, je vais pas mettre comme quelle nouvelle carte il y a, peut-être. Donc, on va se dépêcher un peu. Ouh, c'est Indoraptor Dino Duel. Et j'ai oublié que c'est Echo qu'il faut. Et pas Indoraptor. J'ai complètement oublié ça. Bon, on va se dépêcher un peu. Waouh, on va juste. Ouh, Pyroraptor Dino Duel. Ça, c'est un peu. Nouveau, mais le seul dino duel qui reste, c'est Echo et pas un Pyroraptor. Ou je peux dire, et pas un poulet. Bon, on avait la carte d'Ultra malheureusement. Parce que le pack voulait pas s'ouvrir. Et c'est Ultra Delta. Ainsi que. Tout, c'est. Oh, je crois que j'ai pas celle-là. Pyroraptor DNA. Je l'ai pas celle-là. D'ailleurs, ça va dans les nouveaux. Puisque je sais. Je crois que j'ai pas celle-là. Il y a ce peu comme aussi un Triceratops bébé DNA aussi. Et plus que ça. Bon, on va se dépêcher puisque la vidéo a l'air assez longue déjà, donc voilà. Oh, plus que... oh, regardez les gars. Plus que les faux packs alt. Il y a plus que les faux packs alt. Oh, celle-là était un peu
Ok, donc ça, ce sera le premier qui va ouvrir. Donc, let's go. On a Masonic qui fait la fin avec HS. Elle est sable. Le Lego Set 2020, l'une d'eux, les petits. Le Therizinosaurus. Et pour finir, le gars des Mimus. Tout c'est pas pour le pack-all. On a Monsieur Masonic encore une fois. On a Dr. Green, Dilophosaur DNA, Echo et Dilophosaur. Beaucoup de Dilophosaur graphiques que je pointe déjà. Genre, dans cette vidéo. Beaucoup. Allez, plus que deux packs. Ça passe vite. Je crois qu'il y avait d'autres parties, mais non. Donc, on a Indominus Rex, DNA, Kixaquatus, et pour finir, le Therizinosaurus Ultra. C'était comme ça. Bon, dernier pack de la journée. On va retourner le Dilophosaur Jurassic. Peut-être pas. Ou peut-être une carte que j'ai besoin. Nouveau. Et ouais, j'ai pas vu qu'il y a pas. Il n'y a pas de Jurassic, mais c'est Indoraptor. Ainsi que Delta Echo. Ah, oh, cette carte-là est de retour dans la série 2 qui va être poignée juste toutes les vidéos, man. Bon. Donc voilà, les gars, ça c'était Lego Jurassic World Trading Card Game Series 2. Mega opening de la série 2. Si vous aimez cette vidéo, appuyez le like. Et surtout, si vous n'avez pas encore abonné sur la chaîne, s'abonnez sur la chaîne. De toute façon, les gars, malheureusement, je ne vais pas vous montrer quelle carte nouveau j'ai, puisque la vidéo est longue, puisque je fais un mega opening. Mais de toute façon, les gars, je vous dis au revoir et on se retrouve sur la prochaine vidéo. Et moi j'ai ces cartes là aujourd'hui. Donc nice. Bye.